Des zones grises. Cette objection tombe dans la catégorie de la moralité. Objection typique. Moralement, il n'y a pas de noir ou de blanc. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des zones grises. Ma réponse. Tu es donc agnostique moral. Tu sais que c'est une position autoréfutante? Réponse typique. Comment ça? Ma réponse. Eh bien, la Bible dit que le bien existe. C'est Dieu. Donc, ta position est fausse. Et la preuve qu'elle est fausse, c'est qu'elle se contredit. Car si c'est vrai qu'il n'y a pas de noir ou de blanc, il ne peut pas y avoir de gris, car le gris est un mélange de noir et de blanc. Donc, s'il n'y a ni mal, ni bien, ni bon, ni mauvais, ni vrai, ni faux, alors rien n'existe, même pas des zones grises. C'est impossible. Réponse typique. Bonne blague. C'est ça ta réfutation? Ma réponse. Je t'explique. Quand tu affirmes il n'y a pas de noir ou de blanc, il n'y a que des zones grises, tu veux que je comprenne ton affirmation comme étant blanc, c'est-à-dire comme étant vrai. Parce que s'il n'y a que des zones grises, alors ton affirmation est grise. Et cela veut dire qu'elle contient de l'erreur et donc qu'elle est fausse. Tu es en train de me dire que rien n'est blanc, mais tu veux que je prenne ton affirmation comme étant blanc, tout en niant l'existence du blanc. C'est une position autoréfutante. Elle est donc forcément fausse. Et elle est fausse car elle contredit la Bible. C'est comme d'autres agnostiques moraux qui disent qu'il ne faut pas juger. Ils disent que si je juge, c'est mal. Donc, si je juge quelqu'un et je lui dis que ce qu'il fait est mal, c'est mal. Alors, ils font le mal en disant que ce que je fais est mal. L'agnostique moral est toujours une position contradictoire.